savait qu'on avait une belle équipe de championnat, Rennes, qui a fait un gros investissement à l'intersaison. C'est un bon point de prix parce que cette équipe de Rennes est très performante, offensivement surtout, et même si on a ouvert le score, on a fait une bonne première mi-temps avec bon nombre d'occasions franches, on aurait pu marquer plus tôt je pense dans ce match. Et puis en seconde période, après ce but, on a eu plus de mal à tenir le ballon, et Rennes a fait le forcing et le pressing pour revenir au score, donc c'est aussi Rennes qui nous a mis en difficulté. Donc voilà, c'est un bon point de prix, je pense que sur l'ensemble du match c'est un nul logique. Je pense qu'on peut mieux faire déjà en première mi-temps, je pense qu'on a les occasions pour mener 2-0, après on marque pas, on sait comment ça se passe. Après, en deuxième mi-temps, on arrive à ouvrir le score par Sam. Et défensivement, on était solide jusqu'à ce qu'on prenne ce but. Après, on a su tenir jusqu'à la fin du match. On s'était dit qu'il ne fallait pas prendre de but si on n'arrivait pas à en marquer. C'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense qu'on aurait pu faire mieux en première mi-temps. Parce qu'on a eu des grosses occasions franches. On n'a pas su les mettre. Mais on n'a pas lâché. En deuxième mi-temps, on a réussi à mettre ce but-là. Malheureusement, on se fait égaliser, mais on a eu du caractère pour tenir le score. Donc c'est quand même bien de faire un match nul à la maison pour le premier match. Et on était bien en place aujourd'hui et au final, on arrache un match nul. Après voilà, je pense que maintenant on voit sur ce qu'il faut travailler et voilà, on va travailler dès lundi. On n'a rien lâché, on a tout donné, on n'a pas de regrets à avoir par rapport au match parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts. Mais voilà, si on est monté d'un cran, on a senti sur la différence d'intensité. Et donc du coup, pour un premier match, c'est vraiment bien. C'est vraiment plaisant de marquer son premier but en Ligue 1. J'avais déjà joué en Ligue 1, mais que 15 minutes. C'était pas assez, mais voilà. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer son premier but en Ligue 1 et j'espère que ça va continuer. Je pense que tous les week-ends, les matchs seront comme ça. Et voilà, il faudra pas lâcher jusqu'à la fin et essayer de prendre le maximum de points à domicile. Ben c'est bien, quoi. Encore très beau match qui nous attend à Nice. On sait que Nice est une équipe de haut niveau, de haut tableau aussi, donc on s'attend à un match difficile aussi.